Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, ça va. Aujourd'hui, on est le mardi 23 mai. Il est aux alentours de 15h15 et je tourne aujourd'hui ma dernière vidéo avec vous. J'en ai déjà tourné des précédentes que vous aurez vues avant celle-ci. C'est un partenariat avec la boutique Gutfeld. Pour la 11e fois, ils m'ont accepté un partenariat. Donc, j'étais ravie. Mais alors, ravie, parce que quand j'ai vu ces toiles sur leur site, j'étais trop contente. Et trop contente qu'ils aient accepté. J'ai choisi ces produits le 30 avril. Je n'avais pas eu de leurs nouvelles entre deux. Donc, je m'inquiétais un peu. Parce que j'ai une toile à l'intérieur qui me plaisait beaucoup. Et en fin de compte, j'ai reçu le colis aujourd'hui, le 23 mai. On va découvrir ça ensemble. Alors, il y a à l'intérieur trois toiles. On va commencer. Alors, il y a une grande, une petite et une encore plus petite. Donc, on va commencer par la moyenne. Hop. Wow. Voici cela. Alors, à la caméra, elle rend mieux qu'en vrai. Je pensais pas qu'elle aurait rendu comme ça. Mais bon, je pense que si, une fois faite, ça va être sympa. C'est une 30 par 30. Elle a 22 couleurs. Et c'est nos amis Pampan de Bambi. Sur le site, je l'ai trouvé superbe. J'ai voulu prendre une petite 30-30 parce qu'entre deux, je trouve ça sympa. Il faudra voir une fois fait si ça rend bien ou pas. On a beaucoup de nuances de bleu, de gris. On a du noir, on a du vert, du rose, du beige. Ouais, elle a 22 couleurs, c'est une 30 par 30. Ça colle très très bien. On a toujours le toolkit de base comme d'habitude. Et cette petite toile était au prix de 3,99 €. Donc pour le prix, je me suis dit c'est sympa, on va essayer. À la caméra, elle rend un peu mieux qu'en vrai. Donc à voir. Faut voir une fois faite. Mais elle est plutôt sympa. Elle est sympa. Alors voilà, pour celle-ci. Ensuite, j'ai pris une petite afin de continuer ma collection des petites toiles en 15 par 15. Alors, hop, j'ai choisi ce petit renard tout mignon. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et voilà. Non, elle est vraiment top. Petite 10, 15 par 15, un petit renard. Je trouvais ça sympa. Le toolkit de base. Et on a les diamants. Du rouge, du rose, du vert, du orange, du marron, du noir, du blanc. Ça va être une jolie petite toile également à réaliser. Je suis vraiment ravie. Entre deux DP, le soir, tout ça, je trouve que c'est sympa. Et ensuite, on va passer à la troisième toile que j'ai choisie. Et là, j'étais ravie. Et j'ai pris d'autres modèles comme ceci chez un autre partenaire. Donc, autant vous dire que je suis trop contente. Sauf que ici, c'est en diamant carré, me semble. Et que je les ai trouvés en diamant rond chez un autre partenaire. Alors, je pense que vous avez déjà vu l'image. Alors, ok. On a un toolkit vraiment complet chez Gutfeld. C'est rare d'avoir un toolkit comme ceci. Je trouve ça sympa. Ici, voilà la toile. Une jolie princesse réponse. Je la trouve juste trop trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est en diamant carré. Par contre, elle est imprimée. C'est marrant, on dirait que c'est comme chez Huacan de AliExpress. J'en doute. Parce que c'est imprimé. Pour la faire, il faut la regarder dans ce sens-là. On a un 2. Ouais, on a un 2. Ouais, c'est ça. Elle est imprimée dans le sens du paysage. Donc c'est jolie réponse en 40 par 50. La toile est toute fine, mais elle est juste trop belle.
les couleurs et tout, j'aime beaucoup. Les sachets sont, les diamants sont en sachets zippés comme ceci. Il y a des jolies couleurs de rose. Elle est vraiment top. Je suis tentée par la commencer. Je suis très très tentée par la commencer. Du coup, la feuille de route est ici sur le côté. Et ici également. Elle est vraiment top. Elle est top, top, top. Elle va être trop belle. Je suis vraiment contente de l'avoir dans mon stock, celle-ci. Je pense que je vais la faire dans pas longtemps. Je suis pas forcément... Je sais pas, en ce moment, j'aime les princesses. En ce moment, en dépit, j'aime les princesses. Donc, et quand j'ai vu celle-ci, elle m'a flashé directement. J'avais peur du tour blanc, mais en fait, il n'y a pas tant de tour blanc quand même que ça. Donc, je suis vraiment ravie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois faite. Et je pense que je vais m'amuser à mettre du AB par-ci, par-là. Si j'ai dans mes stocks, je vais peut-être me faire plaisir. Je vais voir ça. Donc voilà. Et cette toile, du coup, elle était au prix de 13,99€. Et avec un toolkit vraiment complet, avec une pince en fer, bon, qui doit être top top, mais bon, c'est pas grave. On a un beau stylet blanc pailleté transparent, avec deux pains de cire, une barquette. Donc c'est vraiment sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a des beaux roses là, des beaux petits jaunes orangés aussi. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que vous allez la voir sur la chaîne rapidement. Bah écoutez, voilà pour moi. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Je suis ravie d'avoir ces produits à la maison et j'ai hâte de vous les montrer terminés. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi, une bonne journée. Tout dépend quand vous regarderez ma vidéo. Je vous souhaite de jolies DP, éclatez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.